Et salut tout le monde, ici SmileReset, et donc après plusieurs semaines d'inactivité sur la chaîne, donc on a pu poster de vidéo rien, donc je suis d'ailleurs désolé pour les abonnés, tout ça. Mais donc c'est bientôt les vacances, donc on pourra avoir plus de temps pour poster les vidéos, tout ça. Et donc vous aurez remarqué Watch Dog, donc voilà, je vais faire une petite série si c'est possible sur ce jeu. Qui m'a l'air vraiment super, hein, parce que, enfin qui m'a l'air super, hein, je vais pas dire qui m'a l'air, il est vraiment super d'après tout ce qui a été dit. Tout ça, je n'ai pas encore testé, mais ce jeu est populaire avant même sa sortie. Donc en parlant de sortie, il a été un peu reculé, donc c'est-à-dire à hier, le 27 mai. Donc malheureusement, j'ai pas pu tourner la vidéo le 27 mai pile. Parce que tout simplement, il y avait les cours, et en plus, j'ai pu installer le jeu que le soir tard parce qu'il y avait un problème avec les services d'Ubisoft qui fonctionnaient plus, donc Uplay, tout ça, parce que je suis sur PC. Mais rien marchait, juste une fois j'ai pu me connecter, donc c'est là que j'ai téléchargé le jeu. C'était à 21 h, donc je pense que je ne pouvais pas vraiment tourner de vidéo. Donc je tourne ça le 28, ça devrait être posté le jour même. Donc allez, assez parlé, lançons une partie, j'ai hâte de tester, je n'ai pas du tout encore testé le jeu. J'ai juste regardé des gameplays faits par les développeurs. Et encore, bon, voilà. Vraiment envie de tester par moi-même. Donc, ce jeu. Excusez-moi. Je vous souhaite une bonne vidéo. J'imagine qu'il y aura des cinématiques comme d'habitude. Allez, c'est parti! C'est bon, je suis dans le hall du Merlot. Ok, Aiden. C'est parti. Je lance le piratage. Regarde ça. Une mine de secrets et de mensonges dans un nuage de données. J'ai qu'à tendre le bras. Mais tout ça, c'est à moi, à nous. Reste concentré. Leur système de sécurité est construit. Ça fait combien? 100 000 dollars en 30 secondes. J'adore les gens blindés de pognon. On est des magiciens du futur. On vide les comptes en banque et sans toucher à rien. Seul sur le coup. On va voir qui c'est. Pas le temps, Damien. On s'en tient au plan. Vite les comptes et on se tire. Et l'aventure, mon garçon. Fais confiance à ton mentor. Quelqu'un a déclenché cette alarme. Je veux marquer. Et merde. J'y suis presque. Terminé, je coupe tout maintenant. Non, surtout tu touches à rien. Maurice. Ouais. À toi de jouer. L'un de nos contacts a eu le nom des hackers du Merlot. On les tient. On t'a refilé Aiden Pierce. Tu t'en occupes. Sa famille aussi, s'il le faut.
Ça lui apprendra à fouiner là où il faut pas. Sa famille aussi. Ça pose un problème? Non, je leur fous de la trouille. Vous entendrez plus jamais parler d'eux. J'en sais rien, je te l'ai dit. T'en sais rien. Sa famille aussi, ça pose un problème? Non. Je leur fous de la trouille. Vous entendrez plus jamais parler d'eux. À ton avis, Maurice, tu m'as foutu la trouille? C'était juste un boulot, mais je savais pas. Qui c'était au téléphone? Donne-moi son nom. Il me l'a jamais dit, son nom. Je vais te donner un emploi. Léna. Léna Pierce. Je savais pas qu'il y aurait des gosses, ok? C'était pas prévu ça. Alors maintenant, je veux que tu réfléchisses attentivement. Réfléchis. Écoute, mec. Même si j'avais un nom, tu pourrais pas me faire parler. Ces types... On raconte des trucs sur eux, t'imagines même pas. Tu vas oublier tout ça, mec. Il y a des choses qu'on peut pas... Arrête! Arrête! Qui a donné l'ordre? On a parlé au téléphone, d'accord? Il m'a dit où je pouvais te trouver. C'est tout ce que je sais. Son nom? Je sais pas! Son nom? Allez, bute-moi, merde, vas-y, bute-moi. Bon... Alors, tout va super bien. Waouh. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vraiment super classe. Donc, je tiens à dire que j'ai mis le jeu à fond. Donc, attends. Et ta mémoire maintenant. Bon. Ça va mieux. Désolé, petite transition. Putain. Oui, donc je disais, donc j'ai mis le jeu à fond, donc c'est-à-dire en ultra. Donc vous avez pu remarquer, je sais pas, ça buguait un petit peu pendant la cinématique, j'ai eu peur que je fasse tout le temps comme ça, mais ça va, je tourne aux alentours de 45 fps, ce qui est plutôt raisonnable pour un jeu de cette ampleur au niveau graphisme. C'est enfin ampleur au niveau positif, hein, franchement, je trouve super classe tout ça. Hein. Apparemment, ils ont créé un système de graphisme, un moteur graphique rien que pour ce jeu, donc pour vous dire la puissance du truc. Alors, tac, plein de trucs à ramasser. Voilà, je sais pas vous, mais ça met un peu de temps à tourner, j'ai pas dû avoir la sensibilité assez haute. Merde, pas bonne touche. Alors pour ceux qui connaîtraient pas le principe du jeu, enfin moi-même je suis pas à 100% dans le jeu quoi, enfin je connais pas tout encore. Donc on contrôle un personnage nommé Aiden Pierce, donc comme vous avez pu le voir. Équipé d'un téléphone qui a la capacité de pirater, de hacker, de hacker toute la ville qui
puis comment dire, parce que je crois qu'on est un peu dans le futur, il me semble, puisque toute la ville est contrôlée par un système d'exploitation nommé STOS, il me semble. Ça doit être Central Operating System. Donc en gros, tout est connecté dans un seul système, tout ça. Donc en gros, tout est connecté, quoi. Donc il suffit juste de pirater pour accéder aux comptes bancaires, à plein de trucs, tout ça. Donc vous verrez pendant le gameplay. Yo, Maurice, c'est pas ce qui va manquer. Oh merde! Je peux savoir ce que t'as foutu? C'est à moi qui parle. Je te laisse seul 2 minutes et voilà. Prends-moi les balles. Je les ai jetées. Bah quoi? Tu m'as dit que tu l'aurais tué sinon. Je t'ai juste demandé de les garder. T'étais où d'ailleurs? Un coup de fil urgent. Alors, Maurice a craché le morceau? Oh, sans déconner. Allez, on nettoie ce bordel. Et arrête d'admirer ton travail. Bon, c'est sympa tout ça, mais tu me déçois, Pierce. C'est vrai, quoi? T'as même pas remarqué mon petit coup de vis dans la guerre des gangs. J'aime pas laisser les choses en plan. Aide-moi à le sortir de là. Non, trop tard. C'est la fin de la 8e manche, Chicago mène et le match est presque fini. On n'a plus le temps. Joli coup. Bah, sinon, t'es sûr que t'es pas un petit peu curieux pour mon coup de fil? D'accord, vas-y, parle-moi de ton coup de fil. Ah, ça fait plaisir. Bon, alors on a un tas de cadavres, pas vrai? Et on a 40 000 personnes juste au-dessus de nous. Il nous fallait une diversion, donc j'ai appelé les flics. Mais non. Si, je te jure. Quand les flics arriveront et que les potes de Maurice débarqueront, ça va faire pa-pa-pa-pa-pa. Jordi, dis-moi que tu déconnes. Non, je les ai appelés eux aussi. Il va y avoir une belle baston à la fin du match. Et toi et moi, on dégage discrètement. Demain, tu me remercieras. Super. Des flics à l'heure. Je m'occupe de ces types. Toi, t'attrapes Maurice et tu le sors de là. Maurice? Je ressemble à quoi, moi? Un taxi? C'est lui qui a tiré. J'en ai pas fini avec lui. Police de Chicago! S'il y a quelqu'un là-dedans, identifiez-vous! Y'a personne! Bon. Donc, j'en étais où? J'en étais nulle part en fait. Bon, let's go. Donc ça va être un peu difficile dans un jeu de FPS d'utiliser le hackage, le hacking, tout ça. C'est une nouvelle arme. Donc, c'est d'ailleurs la devise du jeu. Notre meilleure arme est le hack, je sais pas trop quoi. Donc alors qu'est-ce que... Comment je peux interférer? Donc appuyez sur C pour vous mettre à couvert. Donc ok. Ah voilà, nickel. Appuyez sur V ou utilisez pour quitter votre abri. Donc c'est tac. Alors, hop. V. Non 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 non. Bon ok, donc faut vraiment pas se faire repérer. Donc à mon avis il y a moyen d'utiliser le téléphone pour faire quelque chose, intervertir avec avec l'environnement, je sais pas trop quoi. Identifiez-vous. L'appel anonyme parlait d'un gang, fouille la pièce. Mais fais gaffe, ils sont dangereux ces enfoirés. Ils peuvent pas rester dans leur quartier ceux-là, non? Alors. Y'en a un autre ici. Encore un Viceroy. Alors, il n'y a pas vraiment de victime. Pourquoi ils font ça le jour du plus gros match de la... Ah, c'est pas mal ce truc-là, on peut se déplacer. Central, on a deux cadavres au sous-sol du Maze. Au lieu de se déplacer un peu à l'aveuglette, ça pointe un peu l'endroit où on pourrait aller de manière à se planquer. Bon. Crandon Soda. Bref. Alors. Je vais pour activer le profil. Wow. Effectivement. Oh, c'est classe. Ça saute de l'autre côté. Ah. Tac. Ça nous fait... Mais c'est trop bien. Alors, ça saute de l'autre côté. Comment ça... Non, c'est pas...
ça. Alors il y a une autre caméra. Bonjour. Merde. Pardon, pour l'instant on peut se déplacer qu'en caméra. Ah. Take. It's open. Il ne bougera pas à moins que je lui donne une bonne raison. Utilisez un leurre pour distraire l'attention. Donc, alors, ok, donc. Ok. L'heure, j'ai... Non, j'ai pas vu. Excusez-moi, je suis un peu long à la détente. Alors, j'essaie de comprendre un peu le truc. C'est un peu chaud, ce machin. Merde, qu'est-ce que je viens de faire? Fabriquer... Ok. Alors, j'ai... Attirer, je vais activer, je sais pas trop quoi. J'aime bien ce petit principe de déplacement pour les couvertures, tout ça. Ça permet de se faire choper aussi. Parce que faut faire gaffe parfois de pas activer n'importe comment. Bon, le mec si est facile. J'avais pas assez de soucis comme ça. Merde. J'aurais cru qu'il ferait comme dans tout le jeu, qu'il resterait trois plombes devant le truc, mais... Alors. Qu'est-ce que je pourrais déclencher? A subi un entraînement militaire. Ok. Je crois que j'aurais pas dû faire le con et attendre, j'aurais dû y aller direct. C'est bon. Oui. Hey, monsieur. Vous, approchez. C'est quoi ce plan? J'ai rien fait, moi. Juste parler. Quoi? C'est mes billets que tu veux, j'étais là. Arrêtez, faites-moi voir vos mains. Hey, mais vous avez pas le droit, ça se fait pas, ça. Reculez tout de suite. Vous êtes des Viceroy, c'est ça? C'est pas illégal que je sache. Faites pas la maline. Il sort tout l'argent pour vos billets VIP. Je suis sûr qu'ils gagnent plus que vous. Ah ouais? Hé, hey, Didi, il leur dit rien. Calme-toi, ok? Ils ont rien contre nous. Moi, je suis à peu près certain qu'on va surtout trouver vos noms partout dans nos dossiers. Montrez-moi vos papiers. Maintenant. Je te montre que dalle, ouais. Hé, hey, tu filmes tout? Bon, on va faire autrement. Je dirais bien de sourire, mais ça marche mieux si tu souris pas. Hé, hey, mec, je t'ai pas donné la permission de me prendre en photo. Ben voilà, Jérôme Richard. Quoi, foire rien, juste un petit mandat d'arrêt pour trafic. Alors, tu vois qu'on a quelque chose. Non, mais c'est abusé, on a des droits. Vous avez le droit de garder le silence. Oh, c'est ça, abusé, hein. Tech. Un match de quoi? La police va bientôt boucler tout le secteur. Ah ouais. Il me faut une grosse diversion, sinon je suis coincé. J'aimerais couper le courant, juste le temps de filer. Dans tout le stade? Je croyais que t'avais dit que le justicier peut se faire oublier. L'électricité est reliée au CTOS, mais c'est derrière un gros firewall. Écoute, mauvais garçon 17. Tu peux me trouver le point d'accès le plus proche? Dans la pièce suivante. Le nom de la mort. Mais tu vas devoir trouver quelqu'un avec un pass de sécurité. L'équipe de la sécurité doit avoir le code d'accès. Voilà. Avec tous ces flics, il doit bien avoir un endroit. Parfait, alors lancez-le. Oh, c'est moi! Oh, c'est marrant, échec de la reconnaissance faciale. Ah oui, parce qu'on est... Comment dire? On est protégé par je ne sais quoi. On peut pas être identifié. Bon, comment faire?
d'accès à la sécurité. Code d'accès. Faut que j'aille quelque part. Alors attends. Maintenir, hein, pour rire. Tac. Alors. Et qu'est-ce que je dois faire? Attends. Hop. J'ai le... qu'est-ce qui se passe? Faut faire quoi? Oh, okay. Ah, ok. Ah ouais, mais comment je provoque ça, moi? Ah oui, merde, je peux juste, désolé. Pff, je suis un peu creux en ce moment. Débloquer la compétence. Non. Bonne nuit. Énorme. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Bon, moment d'agir. En éteignant une lumière des blessés. Aïe aïe aïe, je me fais choper. Ouh, wow. Oh non. Ok, tac. Jordi, où est-ce que t'es? Bah, je me suis barré. Je suis allergique aux flics. Bon, aussi d'ailleurs. Mais t'inquiète, je t'ai laissé un petit cadeau. Le pote d'un de mes potes travaille dans les voitures d'occasion. Va voir dans le garage de l'autre côté de la rue. T'en fais ce que tu veux, je m'en fous. Allez, à plus tard. Connais vos identités. Ça doit bien les emmerder, les développeurs, de créer des noms. D'avoir un générateur de noms pour toutes les personnes de la ville, quoi. C'est... Allez, on recoupe encore. Je vais faire chier les gens. Je suis navré, j'ai des bestes. Terrible d'FPS, je devrais peut-être abaisser les graphismes. Alors attendez, j'ai même pas fait gaffe, ça fait combien de temps? J'ai lancé un chronomètre après la présentation, ça fait 20 minutes. Écoutez, comme c'est une vidéo, pas présentation, mais enfin oui, présentation vite fait, donc première partie, donc je pense pouvoir faire plusieurs parties, hein, parce que après, si ça se résume qu'à des missions, tout ça, voilà quoi. C'est pas terrible. Mais bon, à mon avis, je devrais pouvoir faire plusieurs parties, plusieurs vidéos dessus, y a pas de problème. Attendez, ça lag vraiment. Qualité graphique, j'aurais peut-être pas dû aller trop haut. Attendez, je fais quoi? Hop, appliquer, retour. Je suis aux alentours de 40. Donc voilà, donc j'ai pas pu régler trop les paramètres parce que comme je voulais vraiment découvrir le jeu en même temps que vous, j'ai pas eu trop le temps
de voir tout ça, donc il faudrait peut-être que je règle. Donc bon bah écoutez, histoire de ne pas vous faire attendre dans les paramètres, je vais faire une petite ellipse. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, heureux tout le monde, donc ça devrait bien fonctionner. Donc j'ai désactivé une option et j'ai mis les graphismes par défaut en attendant, histoire de pas trop bugger. Donc alors, quitter la zone de recherche de la police. Donc bah, c'est bon, j'ai un peu du mal sans carte moi. Donc ça, c'est l'inventaire, donc la carte c'est ça. Alors, oh, style. J'ai la souris ultra rapide, mais dans le jeu, c'est pas du tout la même chose. Alors, je dois aller où? Oh, on va manger un burger. Non, pas tout de suite. Débloquer le point d'intérêt. Tu as la carte. Commerce, station de métro. Ouais bref, on va sortir de la zone, on va trouver bien un endroit. Alors, faut pas que je me fasse choper. Courir ! Pour attendre qu'il passe. Il est là-bas. J'ai des baisses FPS, c'est assez chiant. Je sais qu'avec les jeux d'Ubisoft, c'est assez embêtant. Je lag souvent, je sais pas pourquoi. Il doit y avoir une option qui fait que... voilà. Pourtant, pour ceux qui connaissent, j'ai Tomb Raider et je mets facilement le jeu à fond. Je tourne assez bien, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors, conduire un véhicule, oh mon dieu, c'est les touches par défaut. C'est-à-dire les mêmes que pour avancer. Oula, 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 attention. Non. Ok. Bon. Elle est foutue la merde. Ah, ça rame du cul. Ah, pourquoi moi? J'ai un PC de faux. J'ai un super PC, mais j'ai pas, on va dire, l'écran qui va avec. Non, m'en faut, je m'en rendrai pas. Derrière. Putain, je passe pour un noob avec cette light. Écoutez, il est... ça fait à peu près 25 minutes de vidéo, donc je pense arrêter, parce que là c'est totalement impossible. Donc bah écoutez, donc on va dire que c'est la première partie, hein, je pense tourner plusieurs autres vidéos. Donc alors j'espère que cette vidéo totalement buggée vous aura plu, ne vous inquiétez pas, je pense régler ce problème. Je mettrai un petit message, sinon comme quoi c'est réglé, il n'y aura pas de problème dans la suite. Merde, excusez-moi les gens, mais... il n'y aura pas de problème dans la suite, dans la partie 2. Donc allez, c'est parti. Je dis n'importe quoi, je suis crevé. C'est parti. Donc salut tout le monde et à la partie 2, quasi promis, pas de bug. Allez, salut.